Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui sera intitulée « J'ai le pouvoir de changer ma vie ». Alors, tout ce que je veux faire dans ma vie, on s'en est rendu compte qu'en fait de compte, quand je fais les choses en fait dans l'amour, par passion, etc., nous ne voyons pas en fait le temps qui passe. Voilà, nous ne nous ennuyons pas et en fait de compte, nous arrivons en fait à nous transcender et à faire des journées qui peuvent aller jusqu'à 10 heures, 12 heures, etc. Parce que justement, on est dans la passion, donc on ne calcule pas en fait ces heures. Donc, c'est tout ce que je vous conseille, c'est de faire un métier, trouver un métier hors sociétaire si possible, qui vous fait en fait travailler dans cet amour et puis vous fait gagner en fait tout cet argent pour pouvoir vivre, payer vos factures, etc., manger. Alors, quand on est dans cette globalité en fait de notre être, c'est qu'on est réellement sur notre chemin de vie qui est lié en fait à l'âme. Voilà. La passion, c'est les liens directs en fait avec l'âme. C'est ce que nous voyons en fait dans mes stages pour justement ne pas créer de conflits ni de souffrances liées à notre travail. Et grâce à tout ceci, quand nous sommes en résilience avec nos pensées et nos actes et avec notre chemin d'âme, en fait, tout nous réussit et en fait, nous arrivons en fait à payer toutes nos factures. Donc, si dans votre vie actuellement c'est compliqué, etc., je vous conseille de mettre en parallèle un deuxième travail après votre travail actuel et de trouver des horaires que vous pouvez aussi vous lancer. Donc, je vous conseille mes stages, le Reiki, aussi bien donc en cabinet mais que en déplacement et à distance pour justement vous ayez un complément de revenu et aussi arriver à un moment pouvoir lâcher le métier sociétaire qui vous fait juste vivre et ou survivre dans le domaine alimentaire, etc. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que justement, les métiers sociétaires sont là vraiment pour nous mettre en esclavage et nous forcer à travailler avec des personnes que nous ne voulons pas parce que en fait, c'est souvent des relations conflictuelles et nocives qui peuvent être en partie en miroir avec nous dans certaines de nos facettes. Alors, ce n'est pas un miroir global, certes, mais c'est un miroir dans certains défauts. Et ce qui va les gêner chez eux et chez vous, ça sera en fait la résilience en fait avec leurs blessures. Mais ça, ils ne vont pas le voir puisqu'ils vont être cartésiens. Et ils vont vous dire, par exemple, il n'y a que Dieu qui peut guérir avec ses mains, sauf que c'est complètement faux. Un Dieu soigné, mais il avait aussi donné le don à ses disciples, etc. Mais souvent, ces gens qui sont hyper cathés, etc., voient ce qu'ils veulent juste entendre et ils connaissent qu'une partie, en fait, de toutes ces histoires qui ont été, en fait, transcendées à travers le temps et par rapport à une forme de manipulation comme nos politiques nous manipulent avec la désinformation. Alors, il faut en fait cultiver en fait notre propre jardin intérieur pour nous éveiller au maximum et pour pouvoir être sur son chemin de vie, atteindre le bonheur et pour être en fait sur son chemin d'âme. Voilà. Alors, ce qu'on retrouve souvent, j'ai des gens souvent quand ils viennent me voir en consultation, ils ont vu des psychologues, etc., ou des psychiatres. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne travaillent pas en fait dans la globalité des soins sans vouloir les critiquer. En fait, ils font que labourer la terre et retourner en fait tout ce qui va mal sans donner aucune clé. Hein, voilà, donc ils relatent les traumatismes mais ils donnent aucune clé du changement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin que ces thérapies-là et arrive un moment, on se rend compte que tous ces soins-là ne servent à rien en fait, hein, puisque le fait de l'entendre, on le sait déjà. Alors parfois ça va aider les gens les plus forts, mais en grande majorité ça n'aide pas. C'est pour ça qu'il faut aller vers mes soins, notamment les soins quantiques, etc., énergétiques, et donc tout ce qui est cognitif. Voilà, donc le Reiki par exemple c'est cognitif comme le chamanisme et d'autres thérapies. Alors en fait on nous apprend en fait pas à planter nos propres graines et à sûrement pas à les récolter. Hein, c'est pour ça que dans la plupart des cas ça fonctionne pas. Et nous sommes en fait dans tous les schématiques de ce qui revient sans cesse, sans cesse. Par exemple, si
je prends un boulot où je tombe qu'avec des pervers narcissiques, bah c'est en lien avec moi ou avec mon passé, souvent qui des traumatismes liés à mon enfance. Par exemple, mon beau-père aurait pu être comme ça. Et donc, vu que je ne l'ai pas accepté, j'ai dit que ce n'était pas normal, etc., je me suis mis en opposition. Et donc, l'épreuve n'est pas réglée. Et donc, forcément, au fil du temps, elle va se reproduire avec d'autres personnages, dans d'autres situations. Et tant que je ne l'aurais pas accepté, je ne l'aurais pas lâché, je ne l'aurais pas réglé, et ça se produira, ça, jusqu'à la fin de ma vie, et après, ça me suivra dans mes réincarnations, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, cultiver ce jardin intérieur, planter nos graines de libération, pour pouvoir après les cultiver et après ne plus reproduire en fait ce qui nous arrive. Voilà. Donc pour sortir en fait de cette victimisation, que en fait c'est cette victimisation quand je subis par exemple un échec, une épreuve, quand je vis ça, et si je suis un esprit cartésien, je vais dire oh, c'est pas normal, j'ai la poisse, je suis un chat noir, je suis un chat gris, etc. Et puis, oh, et puis. Et c'est comme ça, donc je dois le subir, et puis les autres sont plus forts, et j'ai vraiment une vie de merde, etc. Sauf que c'est pas vrai. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez décidé de donner le pouvoir à l'autre. Et le pouvoir, c'est vous-même qui devez le reprendre par rapport à tout ceci. D'accord? Donc il faut jamais abandonner, il faut le vouloir pour pouvoir s'en sortir et aller de plus en plus vers l'avant et de la libération de l'être. Alors, se sentir en fait supérieur à l'autre, c'est ce qui détruit en fait l'être humain, sauf que les gens dits de pouvoir, c'est-à-dire ces gens qui se sentent investis souvent avec les galons sur les épaules, etc., par exemple dans les jeunes métiers à uniforme, ou même sociétaires, le patron, les cadres, etc., qui parfois ont tendance à être narcissiques, en fait de compte, ces gens-là voient que l'extérieur, c'est-à-dire leur diplôme, qui servent à rien en fait, hein. En fait, ça ne fait pas d'eux une personne de valeur. Ce qui compte, c'est une personne qui travaille par rapport à elle, qui apprend aussi par elle-même. Voilà. Mais le problème, c'est que notre société voit par rapport aux diplômes, aux grandes écoles, etc. Mais la plupart du temps, ces gens-là, bah, calquent au mot et récitent et rebachotent en fait par cœur ce qu'ils ont appris. Mais sauf qu'ils ont la plupart du temps aucune méthode de réflexion puisqu'ils vont être dans un système d'automatisme du cerveau gauche. Et donc, pour pouvoir se libérer du cerveau droit, se servir de l'intuition, etc., ils auront en fait beaucoup de mal parce qu'ils ne seront pas dans l'équilibre de leur âme. Donc, c'est pour ça que bah, ces gens-là, ils ne se nourrissent jamais de leurs échecs, de leurs épreuves, pour pouvoir les transcender, justement, ne plus les reproduire. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans l'éveil spirituel, comprendre ce qui n'a pas marché dans ma vie pour pouvoir le changer et ne pas le reproduire. Par exemple, un enfant était battu par son père. L'enfant, s'il comprend l'épreuve, il va dire bah, c'est pas normal. Voilà, je dois pas battre mes, je bâtirai, je vais pas battre mes enfants plus tard, etc. Et je ne reproduirai pas ce que mon père a fait. À partir de ce moment-là, je comprends l'épreuve et je ne la reproduis plus et surtout, je la retransmets plus à ma progéniture future. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à couper un lien karmique. Alors ça, dans toutes les choses de nos épreuves de vie. Alors, en fait, les enfants sont en mode réception jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, à partir de ce moment-là, le mental, en fait, prend le relais. Par-dessus ça, vient l'éducation parentale, sociétaire, éducative, etc. Et voilà. Et donc, en fait, il déclenche en fait toutes les souffrances des parents en exponentiel. C'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, s'il est malade, c'est parce que les émotions des parents n'ont pas été réglées. Alors ça, je l'invente pas. Scientifiquement, ça a été prouvé. Ça a été prouvé donc aussi bien au niveau quantique qu'au niveau scientifique, sauf que la médecine de nos jours ne l'a pas en fait pris en compte et vous mettra toujours en psychosomatique le dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lien très fort avec le système des médicaments. Parce que bah, vous savez tous que ces grands groupes laboratoires, bah, en fin d'année, chez les pharmaciens ou chez certains médecins qui vendaient et qui atteignaient leurs objectifs de vente de médicaments, bah, ils étaient invités à des conférences dans les îles, etc., avec leurs femmes, etc. Mais en fait, c'était des conférences déguisées, hein. Il y avait peut-être 1 heure de conférence et tout le reste, c'était des vacances. Donc, c'était une forme d'achat, en fait, hein, de rétribution, etc.
Voilà. Donc, on se rend compte que bah, tout ce système-là est pourri. Alors, il faut savoir que nous sommes notre propre médicament, et si par rapport à nos endorphines, nous arrivons en fait à, par le rire, par le chant, par la danse, etc., et en apprenant à lâcher ces émotions quand elles viennent, l'exercice que je donne dans mes formations, bah, nous revenons en fait cet enfant intérieur, cette divinité intérieure, et donc nous n'avons pas besoin de béquilles extérieures, notamment de médicaments. Voilà. Le médicament, c'est qu'une béquille. Et le problème du médicament, il devient addiction aussi. Hein, il est sur le même stade que certaines drogues, etc. Sauf que peut-être il fait un peu moins de mal. Et encore, voilà. Parce que, en fait, quand on a été addict à certains médicaments toute sa vie, etc., pour différentes raisons de santé, eh bien, après, on ne peut plus s'en passer. Donc, voilà. Donc, sachez que. Avec les méthodes que je viens de vous dire précédemment, etc., la danse, le chant, etc., et d'autres choses, les méthodes que j'enseigne, vous pouvez devenir indépendant et vous passer en fait de beaucoup de médicaments, etc. Voilà, voire la totalité parfois. Alors, il faut savoir que quand vous vous faites opérer de certaines choses, notamment, en grande majorité des cas, ce n'est qu'une rémission, ce n'est pas une guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, la racine émotionnelle du mal, le déclencheur psychosomatique, est encore présent dans votre corps. Et en fait, ce poison, si vous ne l'avez pas transcendé, vous ne l'avez pas lâché, eh bien, il continue à se répercuter, etc. Par exemple, pour les phases d'eczéma ou d'autres choses. Si je me mets en victime, ma belle-fille me fait du mal, etc., et mon fils me manque, etc., donc je me sens séparé, ben, je vais déclencher un psoriasis. Et donc, j'aurais beaucoup du mal à me lâcher. Donc, à partir de ce moment-là, si je lâche pas mon psoriasis par rapport à mon mental et à la phase psychosomatique, bah, en fait, je ne guérirai pas. Donc, il faut aller après couper toutes ces lignes d'attachement. Voilà. Alors, même en fait, dans le couple, souvent, comment la plupart des gens, au niveau sociétaire, croient que en fait, le couple, c'est s'appartenir. Mais sauf que le couple, c'est pas s'appartenir. Le couple, être un couple, c'est que du partage. Hein? Quand il y a des effets de manque, etc., c'est qu'il y a des manques à combler, par exemple, dans la dépendance affective. Parce que, bah, par exemple, nos parents et notre mère n'a pas su nous prendre sur les genoux, nous caresser, nous embrasser. Et parfois, on a été un accident. Voilà, comme j'ai eu une dame hier en consultation, elle me dit, mais en fait, je n'ai pas été voulu par mes parents. Je me souviens, il y a une amie, il y a quelque temps, elle m'a relaté, mais je t'ai jamais vu sur les jambes de ta mère quand tu étais petite, ni ton père, et te dire des choses d'amour. Donc, en fait, l'enfant en a besoin. Et quand il comprend pas cette épreuve, alors c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, à ce moment-là, on ne trouve pas, on ne sait pas, et puis vu qu'on n'a jamais vécu ça. C'est un peu dur à le comprendre, à le conscientiser. Donc, bah, on va vivre avec ce manque et les relations plus tard avec les hommes seront très compliquées, voire inexistantes, ou elles tomberont en fait sur des gens qui ont exactement les mêmes casseroles qu'elles ou d'autres casseroles en résilience avec elles. Donc, à ce moment-là, bah, il faut aller guérir ces blessures d'attachement, aller couper tous les liens nocifs avec la mère et le père pour redevenir une personne nouvelle. Renaître en fait dans son corps de chair par rapport à cet éveil spirituel et à accepter surtout la différence de mes parents et dire voilà bah, ils ont été enseignés comme ça, on leur a enseigné l'amour, en tout cas ils l'ont perçu, etc. Chacun a son chemin de vie, je les critique pas, je les salis, mais quand je remonte et j'interroge ma mère, je me rends compte que mon grand-père était aussi comme ça. J'ai retrouvé la même chose par exemple sur l'infidélité avec un monsieur, quand je discutais avec son fils, enfin son fils c'était pareil. Alors tout avait commencé, j'ai rencontré son fils à Saint-Barthélemy, donc lui il papillonnait à droite à gauche. Quand je discute avec lui, je me rends compte que son père fait pareil. Voilà, donc il est en couple, son père, etc. Arrive un moment, bah, sa femme retrouve toutes ses maîtresses, etc. Donc elle demande le divorce. Et quand on remonte encore plus loin, le grand-père était aussi comme ça. Donc on se rend compte que ce lien karmique, il est bien là. Hein, il n'y a pas de hasard là, il n'y a pas de fatalité. Quand dans la famille vous êtes comme ça, il n'y a pas d'histoire, t'es malade. Voilà. Il y a une question de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a un besoin en fait, à l'origine, qui n'a pas été nourri. Et on va combler ce besoin-là par autre chose en allant papillonner et en allant
couché avec beaucoup de femmes, etc. Et ça, on le retrouve aussi chez les femmes, hein. Il n'y a pas plus de femmes ou d'hommes qui sont infidèles, hein. Il y a à peu près la même proportion, sauf que les relations, dans certains cas, sont peut-être plus cachées. Voilà. Donc, sachez que si les deux veulent travailler à l'instant T, par exemple dans l'infidélité, la femme qui ne comble pas forcément toujours les besoins de l'homme et l'homme qui a besoin, etc., si les deux rentrent en harmonie et travaillent sur eux, on peut lâcher pour pouvoir le transcender et arrêter en fait ces phases d'infidélité. Mais bon, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes. Voilà, donc c'est un travail sur soi en travaillant toutes nos blessures, etc., et pour retrouver en fait notre pouvoir de vie, notre être intérieur. Alors, parce que en fait, nous sommes une partie du miroir de l'autre. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on travaille en fait pour soi, en fait, on n'a jamais en fait l'impression de travailler. Et en fait, on fait tout avec passion. Et en faisant tout avec passion, en fait, on se rend compte que notre destinée nous arrive. Vous êtes tous rendus compte que quand, par exemple, nous devons avoir un client arrivé à un moment donné où nous devons rencontrer une personne et que d'un seul coup, le rendez-vous s'annule, c'est parce que, en général, la plupart du temps, c'est parce que ce moment de pause m'a été donné pour pouvoir que je récupère, par exemple, un coup de téléphone d'une personne qui était hyper importante, ou pour pouvoir, par exemple, nettoyer mon appartement que je dois rendre le plus rapidement possible. Voilà. Et en fait, il y a toujours une synchronicité de vie par rapport à tout ça. Voilà, il y a toujours quelque chose, et en fait, nos guides sont toujours là, en fait, pour nous protéger, nous conseiller, nous guider, et pour pouvoir nous transcender. Voilà. Alors, en fait, le désir, en fait, d'évoluer, si on veut, en fait, évoluer beaucoup, c'est beaucoup plus facile quand on a des phases de vie qui vont très bien dans notre vie, pour pouvoir, en fait, transcender celles qui ne vont pas. Donc, il suffira de transposer ce qui va bien dans notre vie dans ce qui ne va pas, pour pouvoir, en fait, régler le problème de l'épreuve. De l'épreuve, de la circonstance qui va mal. Ça aussi, nous le voyons dans mes stages. En fait, c'est un travail sur moi, au quotidien, que je fais pour pouvoir en fait transcender en fait tout mon être. Et à partir de ce moment-là, on apprend à dire non à l'autre quand j'ai appris à dire oui à moi-même et à m'autoriser en fait à faire ces choses de la vie, d'abord pour moi et après pour l'autre. C'est pour ça que, par exemple, quand vous vous lancez dans une formation, même si c'est un petit coût au début, il faut savoir que cette formation est souvent rentabilisée et toujours, la plupart du temps, et moi je l'ai vu avec mes élèves, puisque après je les aide à se lancer professionnellement dans ce que je fais ou dans d'autres choses pour pouvoir en fait les transcender, les coacher, etc. et redevenir en fait cette personne qui était immature, par exemple, sur le plan professionnel et qui avait beaucoup de mal à se lancer et à croire en elle. En devenant en fait cet adulte, cette personne qui est mûre et qui est nourrie au quotidien. Puisqu'à partir de là, elle va essayer et elle va croire en elle, puisqu'après, ça, elle va voir que ça va marcher. C'est pour ça que je fais autant de vidéos pour vous faire comprendre que seul vous pouvez vous aider, aide-toi et le ciel t'aidera, et non l'inverse. Hein, le ciel ne vous aidera pas si vous ne savez pas vous aider vous-même. Alors en fait, on obéit en fait à nos parents par rapport au négatif. La plupart du temps, vous avez tous entendu arriver un moment de votre jeunesse, tu es un bon à rien, tu arriveras pas, tu réussiras pas, j'aurais préféré que ça soit toi qui meurs, par exemple, à la place de ton frère. Alors ça, c'est vraiment très dur à entendre, surtout quand on est petit et même quand on est adulte. Ou par exemple, un non-dit, mes parents n'ont pas dit, par exemple, que j'ai été adopté, etc. Mais ça, j'arrive à un moment, je le ressens, en fait, comme, voilà, comme quelque chose qui sonne plus. Hein, je suis plus en résilience avec tout ceci. Alors à ce moment-là, quand je le comprends, quand je le conscientise, et quand je comprends pourquoi mes parents ont fait ça, en fait, j'arrête en fait le mal dans mon corps, dans mon esprit, etc. Donc d'abord dans l'esprit, puisque c'est psychosomatique, et après j'annule le mal
qui est là pour venir s'installer et me faire du mal. Hein? Donc c'est encore une épreuve supplémentaire. Il n'y a pas de hasard, nous sommes sur les bancs de l'école et tant que la leçon n'est pas apprise, elle se répétera et ça jusqu'à la fin de nos jours. N'oubliez pas que si vous êtes un bourreau actuellement, vous aimez bien faire du mal aux gens sociétairement, etc., quel que soit le positionnement social que vous avez, n'oubliez pas que de toute façon, la roue tourne. Et si même ce n'est pas dans cette vie, la vie prochaine, vous serez la victime. Donc, réalignez-vous parce que, en fait, le purgatoire, il est peut-être sur le plan terrestre, mais le karma, en fait, lui, il revient, il tourne. Voilà. Donc, vu que vous devrez, en fait, tout expérimenter dans votre chair pour pouvoir être dans tous ces personnages. Voilà. Alors, en fait, nos parents, en fait, n'ont pas pu, en fait, tout régler et leur culpabilisation, ce sont, en fait, nos propres blessures. Les blessures actuelles, c'est ce que, en fait, tous nos parents, toute notre lignée n'a pas su régler. Voilà. Donc, ils nous l'ont transmise inconsciemment. Voilà. Et même quand ils nous ont dit tu es nul, tu trouveras jamais un mari, par exemple, il faut, en fait, il faut pas les juger, hein, mais les accepter comme ils sont. Par exemple, dans une relation de couple, c'est pareil. Sachez qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce qui est le plus dur, c'est de rester avec des gens qui sont addicts à quelque chose, une drogue ou de l'alcool, par exemple, mais qui ne veulent pas s'en sortir. Alors là, la séparation, elle est inévitable. Mais par exemple, dans tous les défauts de chacun, de l'homme ou de la femme, si les deux veulent travailler, vous pouvez les transcender, les régler et donc rester ensemble. Parce que l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. Alors, s'il y a des choses qui ne vous parlent plus dans votre couple et que monsieur ou madame ne veut pas changer, ben là, il faut tourner la page et changer de. Voilà, il faut redevenir célibataire et puis vous rencontrer une personne quand vous serez prêt et dans cette résonance-là. En fait, quand je prends conscience de ce que je vis, ce que je vis est lié à mon inconscient et à ce moment-là, je peux changer, en fait, je peux changer, en fait, sur mes émotions. Voilà. Je me souviens en fait d'un élève à moi qui est venu en fait dans un de mes stages et qui avait dépensé des fortunes avec Franck Nicolas, là, qui est un coach canadien qui aussi officie aussi en France par Internet et qui avait dépensé en fait des sommes de milliers d'euros parce qu'il avait fait beaucoup de ces stages. Et quand il vient à mon stage, mais il me dit, mais ça, j'ai jamais eu. Et puis, j'ai jamais pu, en fait, me libérer autant par rapport à ce que vous m'avez enseigné, Monsieur Martel. Donc, je dis, j'ai forcément d'autres clés par rapport à lui. Lui, c'est peut-être qu'un discours et qui est pas forcément, qui rentrait pas en résonance avec vous. Même si vous avez dépensé des milliers d'euros et moi, mais le prix de ma formation, ça équivaut à un plein ou un passage en caisse. D'un supermarché lambda, je dis c'est parce que en fait mes formations en fait vous correspondent plus. Hein. Parfois les gens quand ils ont une très très grosse notoriété mais pas qui sont forcément pas toujours en adéquation avec vous, ils sont obligés aussi de louer des salles ou ils veulent avoir un certain train de vie, voyager en première classe dans les avions et tout ça vous le payez. Et moi j'ai pas besoin de paraître. Et autant et voilà, donc j'ai besoin aussi de vous transmettre en fait ces informations, cette libération que je peux faire pour vous, etc., toutes ces actions que je peux mener, mais j'ai pas besoin de vous montrer que je voyage en première classe en avion, qui est le double d'un voyage en classe éco, par exemple, et que voire plus parfois, et pour pouvoir en fait briller et vous faire briller, voilà. Hein, et donc, cette personne, en fait, quelque part, en fait, elle était frustrée en elle par rapport à toutes les sommes qu'elle lui avait données dans le passé, etc. Parce que ce monsieur-là a aussi une très grosse équipe aussi qui le suit. Mais voilà. Et donc, c'est pas forcément parce que vous remplissez des salles que vous êtes très bon. Hein. C'est le discours va peut-être vous parler, mais si on vous donne aucune clé et ces clés-là, on vous apprend pas vous-même à les mettre en pratique. La formation n'est pas dans l'équilibre, donc elle ne va pas vous transcender. Tandis que moi, je vous fais vivre dans votre chair en fait tout ce qu'il faut, et puis après vous revenez à la maison avec un support papier, etc.
Parce qu'en fait, c'est ça, une formation, c'est avoir aussi un support papier. Une formation qui n'a aucun support papier, je veux dire, c'est pas une formation digne de ce nom. Voilà. Voilà. Et donc, comme disait en fait Deepak Chopra, en fait, c'est faire les choses avec une intention et après, surtout, en fait, lâcher prise. Hein, une intention qui est vraiment posée. Faire les choses avec une intention très forte, posée, où vous lui donnez du pouvoir et lâcher prise. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec mon livre. J'ai posé l'intention qu'il allait fonctionner, etc. Et puis après, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires, etc. Et puis, ça a dépassé, voilà, même ce que j'espérais. Voilà, donc j'ai lâché cette intention que ça allait marcher. Et à partir de ce moment-là, bah, vous vous transcendez, c'est comme ça. Donc il faut croire. Et donc tout ça, c'est lié au pouvoir de l'intention, aux lois d'attraction, mais à condition aussi de bien les faire. Voilà, donc ça, je l'apprends aussi dans mes stages pour pouvoir en fait retrouver en fait ce divin qui est en vous et cette personne en fait intérieure qui est très puissante, etc. Vous reprenez en fait la puissance que vous avez donnée tant d'années aux autres en vous voulant leur ressemble. Voilà. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir.